Oye, ci allontaneremo appena di un paese iacino, un paranda in Cina, che è suita Bastien Bisomarosil, che ha appaggio dopo il 2009, ad andare a raccogliere i suoi mele, e poi dopo usuiteremo la sua bottega qui da Retame a Balizaccia, che lo tiene con la sua compagna. On va voir un peu. C'est une ruche qui a fait un petit peu de miel. Ah, c'est du miel de miel à du maquis qu'elles ont récolté. Le miel de miel à du maquis, c'est à peu près le seul miel qu'on peut faire l'été. C'est la seule ressource qu'elles ont, les miels-là qui sont sécrétés par les cicadelles qui sont dans les ronciers. Dans les ronciers ou dans les aulnais ou tous les bords de rivières, comme ça, tous les flancs de coteaux où il y a vraiment de la ronce, de la fougère, des zones un peu humides. Et c'est là qu'elles vont butiner le miel là. Ce matin, on a fait une visite juste pour voir un petit peu l'état de la récolte, si on a un petit peu de miel à ramasser. C'était rien de sûr, mais la surprise est bonne, il y a un peu de miel, donc c'est pas la folie, mais on a un petit peu de miel. Ça vous inquiétait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de miel justement cette saison, de miel à du maquis notamment. Comment on l'explique justement sa présence ? Alors, la raréfaction du miel de miel à du maquis, hein, c'était une grosse récolte jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, entre les sécheresses, la disparition au fur et à mesure de la cicadelle, l'insecte piqueur qui va produire le miel-là et faire en sorte que les végétaux produisent ce miel-là, que les abeilles puissent le butiner, entre la raréfaction de la cicadelle et les sécheresses, les récoltes se sont écroulées. Il y a aussi le réchauffement climatique qui joue là-dedans ou pas forcément. Vous êtes apiculteur depuis 2009, est-ce que vous voyez déjà son incidence ? Moi, le réchauffement climatique, le changement climatique, on l'appelle comme on veut, mais il y a un impact. Pour moi, j'ai commencé sur l'apiculture, sur la fin des belles années, où j'avais très peu de ruches. J'avais dans la Chinarque, un peu plus haut, quand j'ai commencé, avec 30 ruches, j'ai fait jusqu'à 800 kg de miel à du maquis sur une récolte. Aujourd'hui, il faut 4 ruches pour faire ce que faisait une ruche il y a 10 ans. Donc, on a multiplié notre charge de travail, on a multiplié nos coûts, on n'a pas tant que ça augmenté le prix du miel. Donc on résiste et après on s'adapte et c'est la passion qui fait tenir, hein. C'est un métier de passion. Si vous n'aimez pas la passion, vous jetez tout, vous arrêtez, vous faites autre chose. Bultato in un paese iacino, Bastien può cominciare a travaillare a Zoragulta. Qua sua compagna Camille, t'hanno una bottega in dove c'è anche un atelier de transformation. Alors j'ai préparé tous les ingrédients pour faire le nougat miel à agrumes. Amandes, noisettes et pistaches. Et donc les agrumes, c'est des citrons confits ici, des citrons du jardin. On travaille avec des amandes corses, des noisettes corses et notre miel. C'est un plaisir. Je travaille la matière, je travaille les mariages de saveurs. Et puis j'innove, quand j'ai le temps, je trouve de nouvelles associations et c'est un vrai plaisir. In nostro magazzino, Ugo più propone i suoi prodotti anche quelli da Amiga Edi. Un'opportunità per far giungere niente alla sua produzione e mica un contratto. Du fait de la boutique, on a besoin d'avoir une offre assez large. On essaye de faire toutes les variétés de miel qu'on peut faire en AOP miel de Corse, printemps, maquis de printemps, châtaigneraie, miel à du maquis faïnacis, maquis d'automne. Et nous, ça nous permet d'avoir une offre. Rennes, Vizzavone, Tatone et les endroits là où... Vescovato, avant on allait à la Linguizzetta, maintenant on n'y va plus. On va à Vizzavone, de la montagne, la plaine, pleine de Péri et Visa. C'est du travail parce que vous n'êtes pas nombreux à travailler. Ah, on travaille il y a deux temps plein et demi, je dirais, à l'année, sur l'exploitation.
Ouais, ça fait une charge de travail conséquente. Il y a beaucoup de ruches, il y a les transhumances, c'est quand même déplacer les abeilles. Les ruches, c'est la nuit, c'est un travail. Aller à Vescovato, c'est une distance. Il faut y retourner toutes les semaines, on fait plusieurs voyages. Enfin, oui, c'est du travail. Pour user l'apicoltura, è una delle discipline più valorizzanti, la paddy, tanto sempre di più difficoltà. L'ultima in data, a presenza di un buvone asiatico, cacciato in Basilicata al principio di settembre, un nido che era stato usato in pinzeriscia assai i professionali di lappe, palabene.